Bonne année ! Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Bonjour à tous, on est nombreux. Salut Camille, comment tu vas ? Je vais très bien, j'espère que vous aussi. Ouais, des petits soucis. Ma salle de bain referme parce qu'il y a un problème de douche, mais bon. On se retrouve aujourd'hui pour le volume 2 de On revit la vie de nos Sims. De la vidéo de l'année pour moi. Ouais, la vidéo de l'année. J'ai rejoué aux Sims, j'ai refait des aventures. C'est pas la suite de ce qui s'est passé dans le premier épisode, c'est des choses complètement différentes. Et on va refaire tout simplement ce que nos Sims font. Les Sims font souvent des trucs un peu what the fuck, en espérant qu'il ne fasse pas du cheval. Si, s'il devait faire du cheval, nous aurions dû prendre des cours d'équitation. C'est peut-être. La concordance des temps est bonne. Et la vanne Non. D'accord. On va commencer par regarder tous ensemble les scènes, ce qui s'est passé dans les Sims. Mais Camille, est-ce que nos personnages ont évolué depuis la dernière fois? Les personnages ont évolué depuis la dernière fois. Pierre, t'as les cheveux longs maintenant. Est-ce qu'il y en a qui ont pris du poids? Alors, en off ou sur le jeu? Tu vas être vexant, Fred. Tu vas être vexant pour tout le monde. Tu m'as mis un petit bidou, hein. Je l'ai vu. Hein. Pour beaucoup, je vous ai aminci depuis la dernière fois, parce que le problème des Sims, c'est comme ils vivent seuls, ils mangent, mais ils ne font, ils pensent pas à faire du sport et du coup ils deviennent gros. C'est comme en vrai quoi. On va regarder tous ensemble les scènes, ce qu'on va devoir faire juste après. Donc là, c'est Ben, Pierre, Guillaume. Bien vu. Merci. Putain, mais hyper précis quoi. C'est l'œil de lynx quoi. J'ai des lunettes, mais pourtant j'arrive à voir. Donc là, on est ici et moi je me barre. C'est une bonne tranche de rigolade pour moi. Je crois que ma vanne n'a pas marché, ouais. Bon, malaise avec Guillaume. Et donc là, l'idée, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il raconte et on va devoir créer. Ouais, voilà. Pourquoi Guillaume te parle et t'as envie de vomir, quoi? Tu manges des fraises, Benjamin? Oui, c'est pour cela que je ramène toujours ma fraise. C'est pas terrible. Ben, je t'ai jamais parlé de ce livre. Non, il ne me semble pas. En fait, dans ce livre, je le lis tous les soirs, mais j'arrive pas trop à avancer dans ce livre. Pourquoi donc? Bah en fait, quand je le lis, je suis tout seul dans mon lit, et puis quand t'es un petit peu seul et que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une fille, et ben c'est un livre qui est bien, pour se faire du bien. Tu veux que je te raconte des trucs? Hier soir, par exemple... J'ai les images de toi avec ton kiki. Hier soir, j'ai lu 3 pages. Benjamin! Ah ouais, ça s'est levé ça. Fin de soirée là. Non, début de soirée pour le coup. Camille qui lit un livre. Là on a Geoffrey. Ah oui. Oh Geoffrey. Arrivez Geoffrey dans la vidéo. Toujours. Pierre qui veut toujours vomir. T-shirt dans le pantalon pour Geoffrey, on est d'accord. Toujours. Camille. Oui. Hyper important. Hyper important. Camille aussi grande que Pierre, il y a un problème aussi. Oh là là. Allez. That's my bro, that's my man boy. Mon youtubeur préféré des youtubeurs préférés. Donc moi je parle mais personne m'écoute, c'est ça le truc. Pierre, j'ai un nouveau livre, c'est la biographie de Steve Jobs. Ah, ça m'intéresse, peux-tu en lire un extrait? Là, par exemple, il y a les photographies de Diana Walker. Mais attends, je vais me mettre à côté de toi, je pourrais mieux te montrer. Quoique, je pose le livre. Donc, ça n'a aucun intérêt. Non, je préfère qu'on parle d'autre chose. T'as fait quoi hier? J'ai été chercher une baguette. En plus, elle était non moulée. Alors que ma mère est plutôt du style acheter des baguettes bien cuites, je me suis dit, soyons fous, on va acheter une baguette non moulée. Il n'y avait pas de question. On n'avait pas posé de questions. J'ai fait des nouilles tout à l'heure. Eh ben elles sont bonnes, tu vois, avec quand tu mets de l'eau dedans. Une sauce au curry ou si je voulais faire un style carbonara. Je jouais au baseball avec mon père quand j'étais jeune. C'est un peu triste, non? C'était bon, le problème c'est qu'elles ont un peu accroché dans la casserole. Oh, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, toi. Tu dates, mon vieux pote. Ah putain. Parce que moi aussi je pourrais avoir un câlin parce que j'en ai jamais eu. À l'école primaire ensemble. C'est pas grave. Plein de bons souvenirs. Ça fait 15 ans qu'on s'est pas vu, putain, t'as pas changé mon. Tu mets des claques en fait. Mets des petites claques. C'est mon Pierrot ça. Sacré vieille branche, hein. Vieux loup de merde. Ça. J'adore ce gars. Mais tu dors tout le temps, c'est pas possible. C'est où? Studio? Ah, votre studio? Ouais. Mais c'est pas réaliste, c'est rangé. Oui, on prend une balle perdue, c'est bon. Tu testes un peu tous les canapes, ouais, quoi. Normal. Putain, il va être bien mon tournage, j'apprends bien cette scène, ouais. Là, il va y avoir un gros spar d'impro de ta part. Hein. Ouais. J'espère que t'as fait un peu de cours de théâtre et tout, parce que là. J'ai 4 ans au collège. Et bah là, faudra que tu fasses le mec qui dort. Là, faut tout donner. Oh. Elle m'engueule. Bah tu dors. Mais tu marches comme un alien. Non, comme un voleur. Mais au final, là, c'est Oriane, en gros, elle t'engueule, mais elle prend juste ta place. Pierre, il y a Ben, il veut te raconter une blague dans son bureau. Je pense que tu devrais y aller. C'est pas un stratagème pour prendre ma place? Non, pas du tout. Très bien, je me fais avoir. Oriane, j'ai des fraises. Oh, elle dort. C'est pas grave. Ah! J'ai tombé. C'est Fred et Sentin, c'est Camille qui cambre
énormément. Hein. Sur un teint qui cambre énormément. Il y a un plat par terre quand même, en précisant. Et ça ne dérange personne. Et ça part en vaisselle. Guillaume qui débarrasse la table et qui nettoie les poils et tout. Il marche dans le plat. Il a mis les pieds dans le plat. Oui, ça c'est bien ça. Bien sûr qu'on l'apprend. Oula, il se passe devant. Oh là là. Oh là là. Et il est cul dans la tête. Il met son cul dans mon visage. Allez, la scène. Le téléphone, elle me dit oui. Bon, c'est fini, moi je vais ranger. Allez, je vais ranger. Je lui dis, bah, je rentre le 23. Camille, c'est bon? Ouais, ça m'intéresse pas trop. En plus, Ouigo, pas cher. En plus, Ouigo, c'est pas ouf. Et donc, elle me dit, bah, rentre le 22 parce que ta soeur rentre le 22 aussi. Comme ça, au moins, vous pouvez vous rentrer. Après, je pense que Camille, elle est partie, elle t'écoute plus. Hein. Hop, je vais ranger ça aussi. Hop là, et à la vaisselle. Ah, j'ai faim. Je vais me faire un petit bol de riz, rapport à mes origines. Je vais prendre ça. C'est par terre, c'est dommage. C'est pas sa place par terre. Moi, j'ai mangé par terre, par contre. Bon, je vais le mettre à la poubelle. Hop, et puis une dernière vaisselle, et puis après, au boulot pour la compta. C'est quoi cette pièce? Mais c'est chez PE. Ah mais regarde ce que je fais là. Mais allez. Tu danses très mal Camille. On dirait la vidéo de Ben le dernier qui danse. Et tu donnes tout. Comme ils sont longs les bras, regardez. Vous avez vu ou pas? C'est la nouvelle année hein. Allez. Ça danse, on n'a pas pu beaucoup danser cette année. Mais alors le 2021. 2021, je vais enflammer le dance floor. Oh salut Lucas. Salut Lucas. J'ai une histoire à me reposer un peu. Tu veux pas danser plutôt? Non, je suis un peu crevé. Allez, prends mon relais. Ok, ça marche. Allez Lucas. Comment je danse ainsi moi? Je vais se lever et tout, c'est quand même la flemme. La flemme, rate se déhancher là. Allez, lève-toi. Je me lève carrément là. Ouais, viens danser avec moi. Ok. Ah ouais, j'aime pas danser de base. Oh waouh, mais tu danses hyper bien. Voilà, on arrive, on est en place. Bonne année, bonne santé. Billie Jean, I'm falling. Tonight together, na 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 na. Oh, t'as failli mettre en poulot. Ouais, c'est vrai. Ça marche. Oula, Camille qui cuisine. Ah, c'est peut-être la pire scène de la vidéo. Ah, c'est pour ça que tout le monde a mal au ventre depuis le début. Je traverse le plat, c'est cool. C'est la réalité. On a plus de poids, par contre. Petit brossage de dents, avec l'eau visiblement très très chaude. Brossage de dents, tu te brûles la gorge. Alors tu fais la vaisselle, Lucas? Ouais, je lave des verres, des foutures, des trucs comme ça, j'aime bien, moi j'adore ça. Moi je regarde, je fais des nouilles. Ah oui, des nouilles. T'as vu, on s'occupe bien de la maison en vrai. Ouais, c'est Lucas, je trouve qu'on s'est amélioré. Moi ça m'a saoulé par contre, en vrai, j'arrête. Ah bah, tu pourrais fermer quand même l'eau. Ouais, attendez, je pars par là d'abord. C'est du gâchis. Attends, je dois m'en aller. Je fais quoi comme sauce? Je sais pas, en vrai, faut juste que je m'en vais partir. Mais pourquoi là? Je sais pas, j'ai envie, c'est le chemin hyper pratique. Grande. Ouais, mais ça raccourcit par là en fait. Oh là là. Bon bah, moi je vais te regarder faire des nouilles. Ah mais pourquoi tu fais ça? Ça colle. Bah oui mais... Pourquoi ça accroche autant? Parce que t'as pas mis de matière grasse je pense. Ah ouais? Ouais. Ah mince. Bah j'abandonne. C'est trop pour moi, je vais me laver les dents. C'est dommage, bah moi je vais me reposer alors. Oh c'est chaud. C'est hyper chaud hein. Ça m'a saoulé. C'est trop bien, tu fais la fête tout seul, c'est terrible. Bon, face au mur, c'est pas... Qu'est-ce que je fais? Je parle au mur? Ouais. Vous avez cramé la cave. Bah, c'est pour fêter la fin de l'année et tout, ouais. Les fêtes. Très triste à trois, ouais, dans le coin. Ah, c'est la nouvelle année, je suis content, moi. Hop là, c'est la fête. Ah bah non, bah y a rien. Bon, c'est pas grave, c'est la fête quand même. Non, en vrai, c'est pas trop la fête, moi je passe une année pas ouf. 2021. Ouais, mais 2021, ça sera probablement bien. Regarde, on teste nous aussi. 1, 2, 3. Wouah. J'ai pas réussi, je suis pas bon là-dessus. De toute façon, 2021, c'était trop nul. Mais vas-y, Lucas, je te le fais pour toi, ok? 2021, c'était trop nul. Oui. C'est la fête. Voilà. Ah ouais. Il s'en passe des choses dans les Sims, j'ai envie de dire. Moi j'avais vu Inception. Genre, c'était peut-être pas aussi bien produit. C'est le 2 là, non? Bah, mais là je retrouve l'émotion. Tu vois dans les effets spéciaux là. Il y a un message assez fort et c'est ce que j'ai voulu faire ressentir aux gens en jouant. Belle morale en tout cas aussi. Hein. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous d'avoir participé. Passez une super nuit hein, donc. Merci aux Sims d'exister et si vous voulez un volume 3, n'hésitez pas à le dire tout simplement. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à toutes ces personnes. Toutes les chaînes YouTube sont dans la barre d'infos. Plus de Sims et de confettis. Et à bientôt. Bah bisous. Salut à tous.